Bonjour à tous, ici Spredex et bienvenue dans cette présentation du mercredi. Aujourd'hui, nous allons voir Tiny Fragments, un jeu dans lequel c'est un puzzle game et un petit platformer, donc dans lequel il faudra remettre les morceaux du niveau dans le bon ordre pour pouvoir traverser et aller jusqu'à la sortie. En gros, on va commencer. Alors, clique ici ou appuie sur Entrée ou Espace pour démarrer. Donc, vous voyez, il ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est déplacer et là, hop, il prend le fruit, il a gagné. Donc, attention, s'il va par là, il y a des pointes. Donc voilà, et maintenant on le remplace pour qu'il puisse aller sans toucher les pointes. Vous voyez le principe donc, hein, il faut éviter qu'il se prenne. Alors, dans ces cas-là, toi tu viens là, toi tu viens là. Tout simplement. Très bien. Donc de retour, attention, ici on peut pas. Est-ce que je peux faire descendre ça, mais ah oui, j'ai compris. Hop, hop, voilà. Donc voilà, hein, vous voyez un peu le système. Là, il y a une clé qu'on doit utiliser pour déverrouiller ça. Donc là, je vais devoir Ah oui, comme ça. Donc là, on le laisse passer. Il change de niveau. Enfin, il change de case. Voilà. Maintenant, on retourne là. Si on peut, voilà, on va attendre. Dès qu'il est passé là, on va mettre cette case là à la place et il va tomber sur le fruit. Très bien, donc on apprend au fur et à mesure comme ça les règles du jeu. Donc il y a une clé là-haut qui ne sera atteignable que si on arrive à le faire tomber dessus. Et il faut qu'il aille de droite vers gauche pour éviter les pointes. Donc comment je vais faire ça puisque là il va de gauche à droite et puis c'est tout. Donc comme ça. Comme ça. Comme ça, là, voilà. Donc là, il est coincé. Avant de faire une bêtise. Ok. Bon, on va une fois voir ce qui se passe quand il meurt. Ah non. Comme ça. Comme ça, oui, voilà. J'ai trouvé. Et maintenant ici. Non. On attend qu'il se tourne. Voilà, maintenant on peut. Pas besoin qu'il meure. Il suffit d'avoir un peu de réflexion. Et donc vous avez compris un peu comment ça se passe. On va aller jusqu'au niveau 10. Voir un peu s'il y a encore des choses nouvelles à apprendre. Donc à partir de là, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Donc alors toi
comme ça. Toi, hop. Comme ça, comme ça. Là, voilà, ici, on le met direct en dessous. Et là, c'est bon. Alors, switch. Il y a un bouton. Quand on appuie dessus, ça. Ok, hop, hop, voilà. Donc là, comme ça, il va tomber là et voilà. C'est des choses assez simples quand on y réfléchit. Alors, tricky. Bon, ben, on va faire celui-là. Donc, voyons un peu. Il y a un bouton, il faudra tomber dans le trou pour pouvoir y accéder. Il faut d'abord. Non, on va attendre. Voilà, comme ça, pour qu'il prenne la clé. Là, on peut faire ça comme ça. Alors ici, comme ça. Il appuie sur le bouton. Hop. Et là. Ok. Allez, un petit dernier pour la route. Et on va voir un peu. On aura vu un peu de ce qu'il en retourne. Donc, toi, tu peux aller là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Comme ça, on appuie sur le bouton. Et j'ai fait une bêtise. Ok. Allez, on recommence. Donc, d'abord, le tourner. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, voilà, ça c'est bon. Voilà. Alors ici, on peut venir le prendre, le mettre là pour qu'il tombe. Voilà. Voilà. Et le. Hop, 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 hop. Avant de faire une bêtise parce qu'il y a des pointes. Ok, ça commence à se complexifier. Donc vous voyez comment ça se joue, hein. C'est vraiment de la réflexion pure. Là, il y a des canons. Je vous laisserai le faire par vous-même de votre côté. Bon, j'en ai déjà fait 10 sur les 15 qu'il y a. Voilà, ça s'appelle Tiny Fragments. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger, le tester par vous-même. Si ça vous plaît, eh bien, dites-le moi dans les commentaires et allez soutenir aussi celui qui a créé ça. Mettez des pouces en l'air à cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater d'autres présentations et surtout, portez-vous bien.